Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur la saison 2 de Hackendorf. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Eric, Bonjour tout le monde. de Vincent Salut. et de Patou. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va une vidéo un peu spéciale car nous allons pas faire la même culture dans un champ, nous allons en faire deux, étant donné que voilà, on va regarder un peu l'état du champ. Hein. Les gars se sont plantés en fait en semant, surtout Patrick, mais on va rien dire. Voilà, on ne dira pas. On ne dira pas. Donc il y a eu un petit mélange de maïs et de betteraves. Donc aujourd'hui, on s'est dit pourquoi pas le faire en vidéo pour voir que voilà, on fait pas tout carré à chaque fois. Hein. Donc voilà, aujourd'hui on va faire mi-maïs et mi-betterave. Donc Patrick et Vincent, vous pouvez déjà commencer à y aller avec vos betteraves. Et puis mon petit Eric va venir avec moi au maïs. Hop. Allez, c'est parti. On va changer le C'est parti. tracteur. Allez, la fin de katana. Qu'est-ce qu'il a lui, Eric? Eric, il doit avoir le Fendt 900. Non? Oui, le 127, oui. 927 Vario. Et allez, on va rattraper les bêtises. Bon, au moins ça fait. Ça change quoi de faire deux cultures dans un champ. Oui, C'est la mixité. c'est ça. Non, mais bon. C'est marrant, on a déjà fait du colza pour pouvoir faire de la graisse hein, sur la nouvelle version de Hackendorf. Donc on est sur la 2.3. On a déjà fait du maïs grain, on a aussi fauché un champ d'herbe. Hop, attends, si j'en loupe un peu, ça va pas le faire. Et après, donc on va emmener tout ça pour le maïs, on va emmener tout au biogaz et les betteraves mais pour les animaux, tout simplement. Donc après, va Vincent, si tu veux, tu pourras nourrir les animaux, le mast. Et puis voilà, ça roule, ça roule, ça roule. Donc on espère que tout simplement cette saison 2 sur Hackendorf vous plaît. Ah, Eric est bloqué. Va falloir élaguer les arbres. Oui. Donc on a déjà commencé à faire aussi un peu de bois pour pouvoir faire les cartons, les palettes, ça. On vous l'avait déjà montré dans la saison 1, donc je pense que peut-être qu'on s'en refera une vidéo au pire pour faire du bois, hein, on va dire. Mais donc c'est pour ça, dans la saison 2, on va pas tout refaire voir comme dans la saison 1. On va faire simplement des vidéos pour changer, pour s'amuser, pour rigoler. Et puis voilà, la saison solo sur la terre d'Auvergne. Donc vous avez pu voir que j'ai mon voisin qui est venu m'aider. Mon voisin, Le polonais. le polonais Patrick. Et après bah voilà, un peu de. Pour l'instant, ça roule tranquillement. Avant la fin du FS15 et l'arrivée du FS17. Donc sinon, comment ils vont? Mon petit Eric, ça va très bien de ton côté? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Eric a lancé sa chaîne Twitch aussi pour faire des lives. Puis mon petit Vincent, il va bien aussi. Ça va, ça va. Donc, pareil pour Vincent. Mais voilà, en fait, les trois de la team qui sont avec moi aujourd'hui, ils ont tous les trois lancé leur chaîne. Oups, si je démarre pas, ça peut le faire. Leur chaîne Twitch. Donc soit Eric Nat Official Team, Vince 22 Official Team et Patrick Official Team. Donc ça, je vous invite à aller les suivre et à les follow, tout simplement. T'as combien Eric là? 89%. Ah, on dirait pas, mais y a pas beaucoup de maïs, mais il y a du rendement. Ouais, ça tourne bien quand même, oui. Ouais. Ça va. Quelle idée. Je sais pas si c'est le fait que le maïs soit mélangé aux betteraves que ça fait plus de rendement. Voilà, ça lui a fait du bien. Ça lui a fait du bien. Attention. Encore un peu. C'est bon. C'est bon. Allez, avance ton tracteur, Eric, au pire. Ou recule-le. Ce qu'on va faire, c'est que t'as qu'à prendre la fin de katana, puis je vais prendre le tracteur avec le case Optum et avec la benne Aguastenias. Vous mettrez les liens du pack Aguastenias qui est vraiment un pack très complet.
Après ça, le Kazok Optum 270 CVX, c'est pareil, ça, ils sont connus ceux-là maintenant. La Guastenia, c'est bon matériel. Ouais. Oui. Très bon matos. Il y a. La couleur, j'ai pas, sinon elles sont... Ouais, ouais. Ouais, il y a que la couleur à changer, ouais. Mais sinon, après, il y a un pack de Ben, il doit y en avoir 4 ou 5. Pack de. Des pendeurs à lisier, des pendeurs à fumier, il doit y en avoir 4 ou 5 de chaque. Qu'est-ce qu'on a? On a des plateaux, on a deux camions aussi. Enfin, ouais, c'est vraiment très complet. C'est complet comme pack, oui. Ah ouais, ouais, on ouais. peut les utiliser avec les. Non. Avec les? Avec le Seedmaster. Ouais, avec le Seedmaster, ça prend beaucoup de choses en plus. Donc, c'est vrai que. Ça rend pas mal, il y a la petite pipette derrière aussi, des Ben. Bon, c'est vrai que la couleur... Ouais, c'est un peu bizarre. Ouais. C'est marrant, il y a un rang de maïs là où tu passes. T'as vu? Ouais. Regarde. je sais pas comment vous avez fait. Oh là là. Parce que t'as... Ils sont repassés deux fois au même endroit. En fait. C'est ça, ouais, je crois. Vous avez t'as semé avec Toubi en plus, je crois, non? Ben oui, on l'a fait en même temps. Ouais, mais ils se sont semés l'un dans l'autre, là, c'est pas... Enfin, on remonte. Pour avoir un champ de... Ouais, bah, fais ça, Eric. Ça fait brise au vent pour les betteraves. ouais, bah, voilà, ça peut arriver à tout le monde. Ça arrive, des erreurs, ça. Ouais, ça arrive. Faute d'inattention, on discutait, voilà. Ouais, bah, oui. On va dire, c'est la faute à Toubi, il est pas là. Oui, voilà, c'est la faute à Toubi. C'est pas moi qui s'est trompé, c'est lui en fait. Voilà. La chante betterave qui était prévue à l'origine. Oui, à la base c'était betterave, il s'est trompé, il a mis du maïs. Ah, là, c'est Toubi. Hein. Il écoute rien ce jeune. Hein. Hop. C'est bon, Eric, je suis là. C'est pas grave, on va réparer les bêtises. Au moins, on aura des deux quoi. Voilà. Ça fait toujours plaisir de rejouer sur cette map, en tout cas. Ah oui, c'est clair. C'est vraiment la map qui restera de FF15 pour moi. Oui, la map de FS15 et la map de la FFA. Ah, la FFA, c'est sûr. Ouais, oui. Hop, voilà. Tu peux te prendre le petit bouquet à gauche. Ça va pouvoir mettre ça. On essaiera, tiens, pour la saison 2 de remplir un silo au BGA, là, les nouveaux silos. Quoi. Ah, les nouveaux silos. Ouais, je crois qu'ils font 3 millions et quelques. Ce sera un petit défi qu'on essaiera de faire. Non, mais bon. Ça va le faire. Et vous avez du rendement dans les betteraves là? Ouais, ça va, ouais. Oh, comme ça, le premier qui finit, bah, ils iront aider les autres quoi. Moi je suis à 55. Donc là c'est la 3 essieux, il y a une 4 essieux aussi en Ben. Mais c'est la 36 tonnes je crois, la 4 essieux. Ouais. 32. On va en redescendant Oui, hein. Ouais. Oh. Sur celui-là, là. Ouais. On a qui convertissent la Kendorf sur le FS-17. Ah, ça, ce serait génial. Ouais, ça pourrait être bien, ça. Avec des nouvelles textures. Ou qu'ils sortent la 2.4 sur le FS-17. Ouais, c'est clair, ouais. Et ils ont sorti la version Soil Mud pour la 2.3 là. Ah ouais, pas mal. Bon, vu tout ce qu'il y a à faire à mon avis... Là, ce serait un sacré défi en Soil Mud. Waouh, ouais, la grandeur des champs là. Bah, que ce soit les champs, tout ce qu'il y a à faire dessus, t'as pas le temps. Enfin, tu tires les cheveux là. Pour ceux qui en ont. Là, tu sais même plus... Ah ouais. Hop, c'est bon. Eric... Tu peux récupérer ton petit tracteur si tu veux. Je vais t'attendre en bas du champ. Ah, la Kendorf à Soil Mud, c'est un sacré challenge. Hein. Ah ouais, là, à mon avis... Ouais, yep. Si t'es pas plein sur le serveur, si t'es pas à 10 minimum...
Ah là, il vaut mieux être nombreux, ouais. Bon, je vais pas vite, moi, ici. Hein. De quoi? Je cours pas travers champ, mais... Vas-y, vas-y, Eric. Y'a pas le mode rapide? Non. Non. Ah oui, oh, je vois le cochon dans le maïs, là-bas. Ah, ils m'ont encore bouffé tout le maïs. Il a encore bouffé. Ah, Oups, pas de cours, Eric, cours. Oui, plus vite. Une, deux. Il écrasait les betteraves en plus. Oh, is. On aurait dû mettre une masse sur mon track. Ça m'écrase pas non plus, hein. Non, t'inquiète. Ouais, ça y est. C'est bon, allez, on est parti au BGA. On voit Vincent qui arrive. Ah ouais. Ah, comment on fait pour relever les clignotants là? Pour eux? Relever les gyrophares. Ah, c'est avec lycée à l'intérieur. Hop. Allez, on est parti. Alors t'es où de là? Donc là on va choper à gauche, on va passer devant la nouvelle usine de poissons fumés. Faut que j'attende Eric, sinon il va se perdre. Oui. Tac. Et ils sont bien le petit pack de Optum là, la V2 qu'ils ont fait là, il n'y a plus aucun problème avec cela. Ah ouais, je l'ai pas téléchargé celui-là. Ouais, et au top là, les cases. Ils me plaisent. Là on a encore beaucoup de colza à faire pour faire justement fabriquer de la graisse. On a commencé à en emmener, mais bon. Il en faut tellement. Faire les pelés aussi. Faire les pelés. Il en faut pour à la scierie pour faire les planches aussi. Parce que si on fait pas des planches, on peut pas faire de palettes. Eh oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. Ah bon. Hop, donc là à droite. À droite, voilà, la nouvelle usine, poisson fumé. Ça, on découvrira ça au fur et à mesure de la saison 2, hein. Sur les nouvelles productions. Il y a du mal à monter, là. Je suis à 68 litres au 100. Belle consommation. Ouais. Hop. Alors, c'est encore ouvert le BGA, c'est bon. On va faire peser. T'as l'affichage balance aussi Ouais, l'affichage balance. Hop. Donc là, on s'arrête. Voilà, ça calcule. Doudoudoudou. Et on est à... On sait pas combien. 12 tonnes. Eh bien, 30 000 litres, ça fait 12 tonnes de... Ça fait pas grand-chose, ouais. Ça fait 12 tonnes, ouais. On va attendre Riku. Donc pour ceux qui savent pas comment le rallumer une fois que l'on n'est plus sur les balances, vous appuyez tout simplement sur la touche M. Donc là, vous voyez les statistiques pour tous les utilisateurs et les endroits où ils ont été pesés. Hop là, on va monter. Moi, oh, c'est 20 000 pour 50 000. Pas terrible comme rapport. Hein. Non, c'est pas énorme. En tout cas, le fun, il a dur dans les montées. Hein. Yeah, bah ouais, 927. T'as combien derrière? Ouais, 50 000. Ouais. Quelques chevaux. T'as vu Vincent et Eric qui critiquent Fent? Oui, mais bon, on est en vidéo. Je veux pas parler du classe que j'ai non plus, quoi. C'est une catastrophe. Tant qu'il n'y a pas d'idée, ça va. Ouais, c'est clair. Ça fait laguer. Tu as bugué la carte? Ouais. J'ai sauté le serveur. Hop. Et vas-y, mon petit Riku. C'est bon.
Donc voilà les nouveaux silos. Donc il faut avoir le, faut bien avoir le mode map BGA silo. Sinon ça ne marchera pas. Donc ils font, Va falloir tasser au fur et à mesure. ouais, ils font 3 millions 576 000 litres. Génial, on Y a va de quoi faire. s'éclater. Y a de quoi faire. Ouais, c'est énorme. Donc ça, pour l'instant, je vais pas vous montrer comment ça fonctionne. On va les remplir avant, quand même. Donc voilà. Après, on peut déjà, bon là, le petit panneau, je vous le montrerai, mais on peut déjà voir déjà la texture. C'est sympa avec les roues de tracteur, comme si on tassait de, comme si on tassait. Hop. Voilà, ça vite. Ok, allez, on est J'ai pris reparti. la 32, espérant que t'aurais le temps, Patrick, et votre. Ah ouais, c'est passé. Donc on se fera du lisier là, ou je sais pas comment t'appelles ça, bio BGA, on va appeler ça comme ça. Pour épandre, ouais, de toute façon faut qu'on refasse un peu de tout, hein. On vous remontrera aussi, bien sûr, plus en détail les serres. Parce qu'on avait fait qu'une vidéo dessus où Eric et Toubi faisaient les singes avec les Manitou. Accroché au à la charpente. Hein. T'as pas besoin de faire buzzer là, Eric. Non, je continue. Ouais. Donc, on vous montrera ouais, d'autres vidéos plus en détail sur ça. Et puis bah, après, bien sûr, n'hésite. Oui, La fin de la saison 1, donc forcément, il y a eu un peu de relâchement. oui, c'est ça. Donc, on vous montrera. N'hésitez pas à nous demander en commentaire hein, si vous avez des questions. On verra ça, on vous fera des épisodes pour les abonnés, pour mieux vous expliquer si ça n'a pas été assez clair dans la première saison. Donc allez, on est reparti, Riku. Ouais. Et la dernière vidéo qu'on avait fait sur l'ensilage, c'est la vidéo où on a eu le plus de vues. Où j'étais avec Eric et Vincent. C'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur Hackendorf. Ah tiens, c'est bizarre. Oui, c'est pas les vidéos spécialisées sur certains usines ou pas, c'est celle-là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ouais, comme dit Vincent, c'est pas sur les usines qu'on a eu le plus de vues, c'est que sur le. Où on fait que de l'ensilage en fait. C'est marrant. Oh, c'est bizarre. Ouais, l'ensilage plaît. Oh bah je vois que ça avance de votre côté. Oui, ça va, ouais. Allez, je vais mettre mon tracteur par là. Et on va, hop, on va se poser là et on va reprendre la machine. Allez. J'arrive. Vas-y, vas-y, Riku, je vois que tu peines un peu en montée. Ah oui, je te dis, il manque quelques chevaux à ce fun. Pas conduire. Peut-être qu'avec le drive control ça irait mieux. Bon allez, on est reparti. Comme là vous voyez, il y a un rang de maïs et un rang de betteraves. On se demande comment ils ont fait quoi. Ah, ce Toubi alors, hein. Sacré Franck. C'est au lendemain que vous vous êtes séparés, non? Ouais, déjà ce jour-là, ça allait pas, on se faisait la gueule. Ah, là. Oh, pas là. Et bien sûr aussi, j'oubliais aussi de parler de la série Les Frères Petrov. Donc, grosse série, hein. Bien sûr, il y a l'épisode avec les cousins devrait pas tarder à arriver. Quand ils auront des saoulés déjà. Ils vont pas sortir du Ça fossé. va pas tarder, ça. Ça, c'est sûr et certain qu'elle va pas tarder celle-là. Ils vont être cramés qu'ils n'auront pas des saoulés. On va rechoper là, on va être obligé de couper, hein. Allez, Riku! Bon, je vais essayer de ne pas écraser trop de betteraves. Oui. Oh, Vincent, il roule dans les cultures, Ah, Eric. pas bien.
Mais t'as la main, donc. Bon, hein. moi je suis le chef, hein. C'est lui qui est devant moi, alors. Vidéo en plus. De quoi? En vidéo en plus. En plus. Petite vidéo détente. C'est pas pour si betterave. Oui. On les fera en salade. Pas de la purée. Celle-là, betterave sucrière en salade. Ça va être terrible, non? Ouais, pas de terrible, non. Je suis pling. Tu es pling? Ouais, il est vu. Et t'as fait. T'as fait du rendement, là, en fait? Mais c'est la troisième fois, donc ça fait 1 500 000. D'accord. Non, 150 000, excusez-moi. 150 000, ouais. 150 000. Tu les emmènes aux animaux, Vincent, ou pas là? J'emmène en bas, c'est avec ma grosse aguastenia. C'est... Ah oui, elle est pas assez grosse. À deuxième ferme. Elle est pas assez grosse pour aller aux animaux. Ouais. Ça fait trop loin. T'emmènes ça à deuxième ferme pour l'instant, ouais. On verra. Ouais, et on prendra une pute pour aller aux animaux. Ouais, ouais. Là, on fera une vidéo directement où on fera pas de champ, on nourrira tout le monde en même temps les animaux. C'est-à-dire qu'on a déjà 50 000 de contenance, lui, il ne peut pas prendre tout en un seul voyage. Ouais. Hop. Encore 9%, hein, des minutes. 9%, ok, bah, ce qu'on va faire, on va pouvoir. Se faire chacun une petite benne et puis ça sera pas trop mal pour aujourd'hui. Hop. Allez, Riku. Ah bah c'est bien, ça, on va tomber juste à la hauteur de l'autre tracteur. Ouais, impeccable. Même avant. Oh. T'auras pas besoin de courir beaucoup comme ça. Oui, même pas. Encore un peu ou pas? Non, non, c'est bon. C'est bon? C'est bon, j'ai 50 000, c'est bon. Hop, bon bah je vais aller chercher le mon tracteur. Hop. Vincent. Qu'est-ce qu'il fait? Il roule dans l'agriculture? Non, non, le champ a été coupé. C'est le droit. Il n'y a plus rien dedans. À l'air. J'ai un truc dans la gorge. Non, il n'y a rien dans le champ, donc t'as pas à voir. Là, c'est le droit. Là, t'as le droit. Vas-y, Eric, tu peux prendre la machine si tu veux. Ouais, je suis dedans. Ah, t'es dedans. Ah non, je suis pas dedans. Ah oui, non, je te vois dans le tracteur, c'est pour ça. T'es persuadé d'être dedans. C'est bon, je suis là. Ah, ça coupe pas. Oup. Voilà. Hop là. Ouais, la partie. Il est en route. Mais tu me laisses 35%. 35% à chaque fois? Ouais. Ouais. T'es à 10 km/h, Eric? Ouais. Voilà. Alors, les fonctionnalités de la benne. On va voir ça de suite. On a. Alors, on va remettre la bâche, normal. On a la buse. Ah non, ça c'est la bâche. Attends. Je crois que la buse. Voilà, voilà. Si tu mets la bâche, je ne saurais pas te vider. Hein. Ouais, c'est ça. Donc on a la buse derrière, par contre la buse je sais pas trop à quoi elle sert en fait. Peut-être buse, ça peut servir comme un transborder, non? Non, c'est pour les graines du terre que tu remplis dans le... charge les semoirs. Les semoirs, ah oui, avec le Seedmaster, voilà. Donc bah, la buse on peut la... voilà, on peut la baisser. La remonte. On va avoir des semoirs... Ouais, comme nous on a. On peut monter la. On peut la vider manuellement, je crois aussi. Voilà. Ouais, comme ça. Hop. Oui, une vide partout, hein. Non, ils sont vachement bien, c'est. C'est bon, Eric. T'es déjà plein? Ouais. Ouais, fait que 30 000, hein, Malavine. Donc maintenant tu connais la route, ou faut que je t'attende encore? Ouais, il faut que je remonte là. Ouais,
Ouais, il faut que tu montes là-haut. On peut enlever aussi la... Hop, la buse comme ça, voilà. Toc. Bien fait, bien fait. On va aller voir les gars un peu. Ah bah y a, oui, bah y a que Patou qui travaille en fait là-dedans, j'ai l'impression. Ah ouais, je dis rien, moi je dis rien. Y'a pas quelqu'un qui peut me prendre en stop pour me remonter. Switch de véhicule. Ça ira plus vite, tout bien. Ouais, mais bon. Pas tout, voilà. Ah bah vous allez aller. Vous aurez fini avant nous, je pense. Ouais, je pense un aller-retour, moi, ça devrait être suffisant. Ouais. Hop. Ouais, je te suis. Hop là. Hein. Allez. Ça marche, les coups, je suis là. Bang. Allez, en route. T'es plein. Il est plein. Et hop, il est venu connu. Il roule dans les cultures. Oh, oh Eric. Allez, bon, bah, on va resurfer. On va se revider les bennes là tranquillement. Toc. Ce qui serait bien aussi, c'est juste avant la sortie du FS 17, genre le week-end d'avant, mais qu'on se fasse ben, un truc avec les abonnés sur Arkendorf, tout simplement. Je pense que ça pourrait être sympa. Un week-end à Arkendorf ? Un week-end à Arkendorf, que ce soit rallye d'Arkendorf ou culture, enfin la map normale quoi, de base. Ah, ou un jour le rallye, un jour les cultures ? Ouais. Sympa ça. Pour être sympa de fêter la fin du FS15, on va dire, en gros, entre guillemets. Rien n'empêche à certains de moissonner pendant le rallye. Hein. Aussi, oui. Moissonneuse batteuse. Ah. Course de moisse batte. On pourra le faire, ça aussi. Et la moissonneuse d'origine du jeu, là, la petite. Hein. Ouais. La rouge du 13. Hop. On passe à une sampo et à l'avant. Barre de coupe 4 mètres. 12 tonnes. Faudra en modifier une. Mais je crois qu'il y en a une en plus de modifier. Une masse batte de course. Oui, mais ça c'est faisable, oui. Oui. Il a fait monter à 500 km/h si tu veux. Non, je pense que déjà 100 c'est déjà pas mal. Ouais, mais ça peut se faire, ça peut oui. Se faire. Avec l'obligation de revenir plein, tu sais. La trémie pleine. Ah oui, il y a la trémie pleine en plus. Et avec la barre de coupe. Oui, bah oui. Allez hop, on vide. La barre de coupe derrière sur un chariot, bah ça passera pas partout. Ah ouais, mais sinon. Bon, c'est trop facile. Oh, bah oui. Bon, j'ai le gasoil qui part à une vitesse. Ouais, ouais moi aussi, ouais. 187 litres. Et... Ah, t'avais, voilà, pas tout... t'avais pas tout vidé, mais ça t'en reste un peu dedans, non? Non, j'en ai repris au. Ah oh, punaise! J'ai repassé sous le. sous le tapis et j'en ai repris 720 en fait. Donc, ben voilà, hein, nous, ce qu'on va faire, on va se finir ça tranquillement pour aujourd'hui. On va retourner au champ tranquillement. Hop. Voilà. Donc sur Twitch actuellement on fait des lives. Sur les lives solo dans la team chacun fait ce qu'il veut, hein, choisit les maps qu'il veut. Et quand on est en multi, en général, là on va être donc sur la old stream, donc une vieille map avec du petit matos et Off Bergman. Donc ça c'est la petite nouveauté, la map favorite de Patrick. Ah ouais, bah ouais, c'est un gros coup de cœur pour moi cette map. Mais c'est vrai que moi aussi je l'apprécie autant qu'à Kendorf, celle-là, parce que bah, elle est aussi complète. Donc j'aime bien cette map et donc c'est pour ça qu'on l'a mis sur serveur puis on essaiera
Si tout le monde arrive à la faire tourner, on essaiera de se faire des lives aussi dessus. Donc voilà, en vidéo, le solo, Hackendorf, les Petrov. Et puis voilà. Pas mal de contenu entre tout finalement. Hein. Donc, les solos de chacun, plus le multi et les vidéos Les vidéos YouTube, donc et ouais. YouTube. On va essayer de proposer un panel assez complet. Et quelquefois des tutos. Et quelquefois les tutos. Bon, voilà, le chef est parti, je me suis paumé. Hein. Il est où? Là, tu ressors et puis tu fais route. Ah, Eric. Eh bien, en tout cas, les amis, pour la prochaine vidéo, j'espère que Eric aura retrouvé son chemin. On le voit passer dans le fond. Et donc, merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, c'est pour nous, ça fait plaisir. Donc, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures et à ciao, bye! Ciao, ciao tout le monde! Ciao, ciao! Il y a des malins, je sais pas, par contre il y a Fred, il bouge Bien pas. Ah joué. Bah, je sais rien faire. C'était magnifique. Quoi? Un petit coup de cul. Oh la vache. Pourquoi tu sais rien faire? Bah non, je sais rien faire du tout. Non. T'as eh bah, descendu? Descends. Descendu ou monté? Descends. On va plus descendre. Il bouge son véhicule, hein.